Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Je viens nous rappeler que désormais, sur notre page Chapelle de la Grâce, sur Facebook, nous aurons nos cultes tous les 20h30, un de Douala, un de Yaoundé, en live Facebook, sur notre page Chapelle de la Grâce. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Il y a des témoignages, des délivrances. Des gens nous appellent depuis l'Italie, la France, les États-Unis, le Canada, la Belgique pour nous donner les témoignages de leur délivrance pendant que nous prions en live. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous tous les jours sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'apporte sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, bonjour peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce. Bienvenue à notre culte de ce soir, un culte de puissance, de libération, de restauration, un culte pendant lequel le Seigneur nous parlera davantage. De retour, après ces petits moments de retraite, de repos, je crois que ce soir, alors que c'est notre rentrée pour la deuxième phase de nos grands moments de libération et de délivrance, nous allons aller doucement, ce soir est juste une introduction. Toujours sur le même thème, et je crois que le Seigneur bénira, libérera, restaurera une personne. Nous allons adorer le Seigneur ce soir avec nos serviteurs qui sont superbement connectés ce soir. Que Dieu nous accompagne pendant ces moments d'adoration. Tu vas commencer à adorer le Seigneur et nous sommes contents de vous retrouver ce soir. Après ces moments, tu vas commencer à adorer le Seigneur parce que c'est une grâce encore d'être en vie ce soir et il nous donne ce privilège de l'adorer. Donc tu vas prendre une position d'adoration, élever le nom de Dieu parce qu'il t'a maintenu en vie. Il est en train de te délivrer et ce soir, il va faire quelque chose de particulier dans ta vie. Nous allons adorer le Seigneur. Nous sommes là pour t'élever.
ya ya eh oh 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 oh. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Is in your hands. Oh, dear.
are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. En moi devienne réel, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réel, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi, devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance, oh, une autre dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, oh, une autre dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Église, peuple de Dieu, il est impossible pour nous de quitter ce thème sur l'esprit de rejet sans l'avoir épluché dans tous les sens. Église, nous avons tellement à dire dessus. Et tout à l'heure, pendant que je méditais, le Seigneur m'a demandé de parler dans les jours qui arrivent de l'esprit de rejet et les maladies. Il y a plusieurs personnes à qui le diable a imposé des maladies pour être rejetées. Je t'assure, lorsque Dieu m'a parlé de ça tout à l'heure, j'ai compris qu'on n'a même pas encore parlé de l'esprit de rejet. Il y a plusieurs maladies de honte. Pendant qu'on te voit habillé, on a l'impression que tu es quelqu'un, mais il y a des maladies de honte que le diable t'a imposé. Je vais te dire, Église, enfant de Dieu, pendant ces moments, le Seigneur va détruire toute maladie qui t'a été imposée au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va détruire tout tueur de destinée qui vient imposer les maladies dans ton corps. Amen. La grâce de Dieu te libère au nom de Jésus. Amen. L'onction de la guérison te saisit au nom de Jésus. Amen. La main du Seigneur vient jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen. Donc, nous aurons le temps de parler de ça et je sais que le Seigneur bénira une personne. Alors, nous allons lire Psaume chapitre 42, verset 7, nous lisons. Il est écrit. Mm-hmm. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, mm-hmm. depuis le pays du Jourdain, oui. depuis l'Hermon, oui. depuis la montagne des Mithières. Mm-hmm. Amen. Alors, je vais dire quelque chose à l'église ce soir. Chaque fois que l'esprit de rejet est imposé dans ta vie, la seule personne avec qui tu dois te tourner, c'est celui qui détruit le rejet, le Seigneur. Une personne qui est rejetée par les hommes, avant de te retourner vers les hommes encore, à nouveau, il faut te retourner d'abord vers le Seigneur. Je vais te prendre un exemple simple. Chaque fois que tu as une déception amoureuse, ne te lance pas dans une prochaine relation si la blessure de la précédente relation n'a pas été cicatrisée. Plusieurs personnes vont échec sur échec parce qu'ils ne font pas d'abord le deuil. Ils ne font pas d'abord, les états généraux de la déception de l'histoire précédente. Ils veulent directement galoper pour une prochaine relation. Beaucoup de personnes, même dans le ministère, même dans les affaires, ne comprennent pas une chose. Lorsque le rejet est imposé dans ta vie, dans un domaine précis, avant de passer à une autre relation, à une autre histoire, retourne-toi d'abord vers le Seigneur et qu'il t'explique ce qui s'est réellement passé. Plusieurs personnes ont dû réaliser que plusieurs de ceux qu'ils rencontrent, plusieurs de ceux qu'elles rencontrent lui font les mêmes misères, lui font les mêmes galères, lui imposent les mêmes problèmes, la même brutalité. Pourquoi ? Tu quittes d'une relation à une autre, tu quittes d'une affaire à une autre, tu ne comprends pas que il faut d'abord que tu ailles vers le Seigneur. Même ceux qui font la Formule 1, il y a un moment où même si la voiture file comment, il faut s'arrêter pour qu'on change les roues. La mécanique est importante pour la voiture. La mise à jour est importante pour un appareil électronique. Le dépannage est important pour tout appareil. Mais nous, enfants de Dieu, nous espérons, nous voulons réussir dans la vie en disant, oui, ça n'a pas marché, le prochain. Next, next, next. Arrêtons les next sans toutefois se référer à celui qui nous a créés, à celui qui nous a appelés. David dit
Mon âme est abattue au-dedans de moi et c'est vers toi que je me tourne. Une personne rejetée a l'âme blessée. Une personne rejetée est une âme blessée. Et les blessures de l'âme sont plus dangereuses que les blessures du corps. Quand tu vois une blessure sur ton pied, on peut mettre n'importe quel cicatrisant. Et après, ça va cicatriser si tu n'as pas des maladies comme le diabète. Mais une blessure dans l'âme a premièrement comme difficulté le fait qu'elle ne soit pas visible physiquement. Les blessures dans l'âme, plusieurs transportent des blessures dans l'âme depuis l'enfance. Nous avons expliqué des personnes qui ont grandi dans des foyers de brimade, de bastonnade, des foyers monoparentaux. C'est-à-dire que tu as un seul parent qui t'élève, il y a une blessure dans ton âme. Il y a une blessure dans ton âme qui doit être cicatrisée. Le seul fait que ton père t'a rejeté depuis l'enfance, il y a une blessure dans ton âme qui doit être cicatrisée. Le seul fait que ton père te déclarait des paroles méchantes, il y a une blessure dans ton âme qui doit être cicatrisée. Le seul fait que ta mère te tabassait pour rien, il y a une blessure dans ton âme qui doit être cicatrisée. Plusieurs personnes essaient d'évoluer, essaient de s'en sortir, essaient de réussir, mais à la base, ils ont des blessures dans l'âme qui doivent être cicatrisées. Nous avons dit, Église, enfant de Dieu, avant d'entrer dans les prières, parce que nous sommes encore dans les prières, le rejet conduit, il y a un rejet satanique qui conduit à la solitude. Le premier rejet de Dieu te conduit à une solitude pour qu'il te parle. Mais le troisième rejet du diable te conduit à une solitude pour que personne ne t'aide, pour que personne ne t'épouse, pour que personne soit à l'aise avec toi. Il y a des personnes qui sont désagréables pour rien, juste parce que les bonnes personnes qui viennent auprès d'elles doivent être repoussées. C'est un démon de rejet qui est imposé sur ta vie, qui fait en sorte que les gens qui veulent te faire du bien, les gens qui te font des promesses, les gens qui veulent t'aider, retournent contre toi. Quand tu allais dans ce lieu de service, tu travailles normalement, tu fais tout ce qu'on te demande de faire, tu fais les missions vraiment de manière parfaite. Mais où est la promotion? Mais où est l'élévation? Où est la bénédiction? Où est la prime? La Bible ne dit-elle pas que l'ouvrier mérite son salaire? Pourquoi toi tu n'es pas élevé? Parce qu'on a mis un esprit de rejet sur ta vie. L'esprit de rejet peut venir de ta famille, comme ça peut venir d'un sorcier dans le lieu de service qui va chez le marabout avec ta photo, qui va chez le marabout avec ton nom, pour que le marabout mette des masques sur ta vie. Ce soir, nous allons briser tous les masques. Amen. Qui font en sorte que tu ne sois pas apprécié par ton patron. Tous les masques qui empêchent que tu sois élevé seront brisés. Amen. Seront détruits. Amen. Seront paralysés. Amen. Tous les masques qui empêchent qu'on te nomme seront détruits. Amen. Tous les masques qui empêchent qu'on te fasse du bien seront prendront feu. Amen. Tous les masques qui empêchent que tu obtiennes ce que tu demandes seront paralysés. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. La Bible parle de Moïse. Dans Exode chapitre 2, versets 11 à 15. Le rejet conduit à la solitude. Nous avons l'habitude de dire, vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Mais il y a un temps pour être seul, un temps pour être accompagné. Jésus commence son ministère seul. Il le poursuit avec des gens. Il s'est entouré de 12 personnes qui l'ont aidé. En dehors des 12 disciples, il avait les 70. En dehors des 70 qui marchaient, qui allaient prêcher l'évangile, il y avait des financiers, parmi lesquels les femmes qui le finançaient. Dans Luc 12, 8, verset 1 à 3, des femmes le finançaient. Et en dehors des femmes qui le finançaient, il y avait des gens comme les Zachée. Il y avait des gens comme les Joseph d'Arimathée, qui n'étaient pas visibles, mais qui étaient là. En cas de problème financier, il intervenait pour Jésus. Une personne qui se plaît dans la solitude, H24, a des problèmes dans sa vie. Il y a un temps pour la solitude où Dieu doit nous parler. Quand Dieu a fini de nous parler, on doit sortir pour aller implémenter ce que Dieu a dit, qu'il nous a révélé. Et pour implémenter ce que Dieu a dit, il nous faut des aides de destinée. Et pour attirer des aides de destinée, il nous faut détruire l'esprit de rejet. Amen. Parfois, la personne qui doit t'aider, tu rencontres quelqu'un comme ça, tu es footballeur, il te dit, je vais être ton manager, je paye tout. Il y a des gens qui ont été aidés comme ça. Ils n'ont rien donné. Et on est venu les prendre en Afrique. On les a amenés, ils ont percé. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Regardez ceux qui connaissent l'histoire du footballeur italien noir, Balotelli. C'est un orphelin de père et de mère qui a été adopté dans une famille. Aujourd'hui, il est italien, il est milliardaire. Parce que quelqu'un l'a reconnu, quelqu'un l'a aimé pour rien. Qui t'a dit qu'on ne peut pas t'aimer pour rien? On ne peut pas te financer pour rien. On ne peut pas te faire voyager pour rien. On ne peut pas te donner nationalité pour rien. Je prophétise. Yes. Je dis, je déclare. Yes. Je déclare. Hey. Par l'onction de Dieu. Yes. Par la puissance de Dieu. Mm. Par le feu du Saint-Esprit. Yes. Le Seigneur hey. Met sur ton chemin yes. des gens qui vont t'aider pour rien. Amen. Qui vont te soutenir pour rien. Amen. Qui vont te payer pour rien. Amen. Qui vont te financer pour rien. Amen. Qui vont t'encadrer pour rien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen.
Comment tu te plais à être seul? Oh, comme ma mère n'est plus là, je suis seul. Tu n'es pas seul. Ne dis pas je suis seul. Tu n'es pas seul. Comme ma mère est décédée, ma tante ne m'aime pas, mon oncle ne m'aime pas. C'est possible. Tu ne peux pas imposer à ton oncle de t'aimer, à ta tante de t'aimer. Mais Dieu peut attirer vers toi des aides de destinée. Amen. Si tu t'affectionnes à la solitude toute ta vie, tu vas finir seul. Il y a des gens qui tellement ils sont seuls que s'ils ont un problème dans la nuit, ils vont appeler personne. Et ils sont contents. Non, ne sois pas content. Jésus est Dieu. Il peut appeler les anges. Les anges viennent marcher avec lui. Mais il a dit non, sur la terre, j'ai besoin en dehors des anges, des hommes. J'ai besoin des femmes à côté. Le diable repousse. Ton esprit cartésien là, c'est bien. Ton esprit de philosophe là, c'est bien. Mais tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part avec cet esprit. Tu es entouré par qui? Par rapport à la destinée que Dieu te donne. Qui marche avec toi? Qui peut te financer? Il y a des gens ici qui me regardent. Ici, ils ont un problème d'intérêt de 100 000. Il n'y a pas 5 personnes qui peuvent appeler qui déboussent 100 000. Je prophétise dans ta vie. Yes. Je déclare dans ton histoire. Hey. Je prophétise dans ta vie. Yes. Dieu amène jusqu'à toi. Mm. Dieu attire jusqu'à toi. Mm. Dieu attire jusqu'à toi. Mm. Des gens qui vont te faire du bien. Amen. Des gens qui vont te faire du bien. Amen. Des gens qui vont te faire du bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. C'est inconcevable, Église. C'est inconcevable. Tu te plais à être seul et tu es contente. Moi, je marche seul. Une lionne marche seul. Mon ami, il y a un temps pour ça. Il y a un temps où tu peux appeler. On te dit, écoute, je peux te donner 500 000. Je peux t'envoyer 2 000 euros. Tu me rembourses quand? Et après, tu dis même, ne me rembourse pas. C'est pour t'aider. Ah! Il y a tellement nous a fait du mal ici dehors qu'on ne croit plus en la bonté des hommes. Il y a des hommes qui sont bons. Yes. Et tu vas en rencontrer. Amen. Il y a des femmes qui sont gentilles. Et tu vas en rencontrer. Amen. Il y a des gens qui ont le bon cœur. Yes. Tu vas les rencontrer. Amen. C'est pas parce que tu as rencontré 10 anges méchants, 10 démons, qu'il n'y a pas 20 de l'autre côté. Le diable est descendu sur la terre avec un tiers. Yes. Est-ce que tu comprends? Le diable est descendu sur la terre avec un tiers d'anges qui sont devenus des démons. Ça veut dire qu'il reste 2 tiers d'anges à ta disposition. Yes. Si tu as 10 ennemis, tu es censé avoir 30 partenaires. Amen. Lorsque le serviteur d'Élysée dit, maître, boss, on est mal entouré, c'est grave, on va mourir. Faisons nos dernières prières. Élysée lui, calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et quand il a ouvert les yeux, sur la montagne, autour de la ville, les chars étaient alignés pour protéger qui? Élysée. Je prie pour toi, Église. Yes. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Amen. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Amen. Et que tu vois tes aides destinées. Amen. Ceux qui doivent te soutenir. Yes. Ceux qui doivent t'encadrer. Que tu les vois. Ceux qui doivent te faire du bien. Que tu les vois. Ceux qui doivent t'épauler. Que tu les vois. Ceux qui doivent te financer. Que tu les vois. Ceux qui doivent te conseiller. Que tu les vois. Tellement t'as fait du mal dans la famille. On t'a fait du mal à l'école, au lieu de service, même à l'église, tu ne crois plus en personne. Tu vas croire. Non, écoute, le mal que les gens te font, le mal que les gens te font ne doivent pas te rendre méchant. Si tu notais quelque part, il faut me noter ça. Le mal que les gens te font ne doit pas te rendre méchant. La méchanceté humaine est lié à la sorcellerie. C'est pas parce que les gens sont méchants avec toi que tu dois devenir méchant comme eux. Pas parce que tu as rencontré 10 gars méchants qu'il n'y a pas un 11e qui est bon. Pas parce que tu as rencontré 12 filles méchantes qu'il n'y a pas une prochaine qui est meilleure. Arrête de tourner ton cœur vers le mal. La Bible dit que c'est à cause du mal que Dieu a détruit la terre. Dieu vit que la méchanceté des hommes était accrue. Alors il a décidé de faire descendre le déluge. Donc si tu penses que ta vie n'est qu'entourée de méchants, Dieu va te détruire. Puisque tu n'es entouré que de méchants, et alors les mauvaises compagnies comme les bonnes mœurs, on va te détruire. Pensons que Dieu peut nous faire rencontrer les bonnes personnes. Amen. Croyons que Dieu peut nous faire traiter avec de bonnes personnes. Amen. Tu attires ce que tu penses. Yes. Les blessures dans l'âme te rendent toi-même aigri, te rendent toi-même méchant, te rendent toi-même hypocrite, te rendent toi-même amer. Beaucoup ont l'amertume. Et quand tu regardes sur son visage, tu sens une femme amère. C'est quoi ma soeur? Les hommes m'ont fait. Toi, Maria, une soeur m'a écrit, c'est parce qu'elle est connectée. Elle me dit qu'elle veut me rencontrer. J'ai dit, mais avec le confinement là, vous savez, il y a tellement de personnes qui nous rencontrent et je crois qu'on va permettre qu'ils nous rencontrent.
Elle me dit, je ne sais pas si je peux lire son message parce que je n'ai même pas pu enregistrer son numéro. Elle me dit, je ne sais pas ce que j'ai fait aux hommes. Je suis une bonne femme. Je suis. Elle dit, madame, c'est quoi le problème? Attendez, je vais vous lire. Révérend, je ne comprends pas. Voici déjà deux mariages dont je vis toujours l'échec. Donc ça commence à avoir, bonjour Révérend, je viens de la part de la sœur telle. J'ai un gros problème, bien sûr que devant Dieu, tout est possible. J'ai besoin de votre intervention. Avec cette histoire de pandémie, je ne sais pas comment faire pour vous rencontrer. Je suis une bonne épouse, mais mes partenaires sont du genre, comme si tout avait déjà été établi, que je rencontrais seulement des personnes qui me torturent. Et présentement, je viens de partir de mon deuxième foyer avec tous mes enfants, il y a de cela 3 semaines. Une telle femme, parce qu'il y a des gens qui vont venir sur ce direct nous raconter des conneries. Une telle femme n'a pas besoin que tu le rappelles qu'elle a péché. Elle a besoin d'être guérie. Amen. La vie la condamne déjà. Toi, tu viens encore la condamner avec ton message bizarre. Et on ne dit jamais 203. Si une telle femme quitte de cette relation, deuxième foyer, deuxième mariage, elle va dans le troisième, sans être cicatrisée, sans être délivrée, elle peut se suicider. Tu as envie d'inviter quelqu'un. Tu as une soeur qui vit des choses aussi. Tu ne l'invites pas comment? Tu as un frère dans ta famille qui vit des choses là. Tu ne l'invites pas comment? Je vais te révéler des choses ce soir. Amen. Ce n'est pas normal. Ce que ta mère a vécu, tu ne fais pas attention, tu vas venir comme ça. Ce qu'on a fait à ton père dans son lieu de service, de toute façon, on l'a licencié comme un chien. Si tu ne fais pas attention, ton mari va te licencier comme une chienne. Malgré tout ce que ton père a apporté dans son lieu de service, il a rendu des bons, des fidèles services, loyaux services, mais il a été chassé. Même pour payer sa pension, ça n'a pas été possible. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, tu te retrouves en train d'apprécier le rejet. On doit t'aimer. On doit te caloler. On doit t'apprécier. On doit te soutenir. Si les autres ne t'aiment pas, Dieu t'amène vers quelqu'un qui va t'aimer. Amen. Si ton mari ne t'aime pas, Dieu t'amène des amis qui vont t'aimer. Amen. Si tes frères ne t'aiment pas, Dieu te donne de nouveaux frères. Amen. Je dis, si tes cousins ne t'aiment pas, Dieu te donne de nouveaux cousins. Amen. Si ta famille ne t'aime pas, Dieu te donne une nouvelle famille. Amen. Je ne connais pas qui tu as rencontré hier, qui tu as rencontré sur ton chemin, mais je prophétise. Yes. Si tu as rencontré les personnes négatives, le Seigneur met les positifs sur ton chemin. Amen. Le Seigneur met des gens qui vont t'aimer sur le chemin. Amen. Qui vont te cajoler sur le chemin. Amen. Qui vont te soutenir sur le chemin. Amen. Je crois de nouvelles rencontres. Yes. Je crois de nouvelles opportunités. Yes. Je crois de nouvelles faveurs. Je prophétise sur ta vie. Yes. Même si ta mère t'a repudié, même si ta mère t'a rejeté, le Seigneur te donne une nouvelle maman. Amen. Un nouveau papa. Amen. De nouveaux frères. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Wow. Le temps que Joseph voulait passer à pleurer, Dieu dit, laisse ça, je vais t'élever. Yes. Et quand je vais t'élever, ils viendront manger chez toi avec la honte. C'est ça. Le temps que tu passes à pleurer parce qu'on t'a rejeté, c'est un mauvais temps. Économise ce temps à te concentrer pour ce qui arrive. Parce qu'on m'a fait ça à l'église. Mon ami, on te fait ça à l'église où tu es. Quitte l'église là, va ailleurs. Ben écoute, moi je suis des pasteurs qui enseignent que même chapelle de la grâce, si tu n'es pas à l'aise, quitte. Ok. Chapelle de la grâce, si tu n'es pas à l'aise, tu quittes. Hein? Il n'y a pas de titre foncier d'un chrétien dans une église. Personne ne t'aime, personne ne t'apprécie, personne ne te soutient, tout le monde te combat, mais va, on ne te combat pas. Il y a un chrétien de combat qui n'est pas important. Le pasteur te combat, femme du pasteur te combat, le cousin du pasteur te combat, le grand frère du pasteur te combat, le petit frère te combat, les anciens te combattent. Tu vas mourir à quel âge? Et si tu m'en vas t'enterrer? Et même s'ils t'ont combattu, ils vont se repentir, ils vont continuer leur vie. C'est ce qui m'énerve, c'est ce qui tue les autres. Ils te tuent, tu meurs, tu n'accomplis pas ta destinée, mais lui, pendant qu'il vit, il se répand. Et il va au ciel. Sur la croix, Jésus est entouré de deux brigands. Un a échoué, l'autre a réussi. Pourquoi? Il a dit, Seigneur, je reconnais, c'est toi qui es Dieu. Jésus a dit, ce soir même, tu me retrouves au paradis. Donc, laisse qu'on te tue, laisse qu'on te détruise. Tu vas mourir, tes enfants vont rester pleurer sur la terre. Arrête-moi les pleurs là.
dis Seigneur, envoie-moi les aides destinées. Envoie ceux qui vont me faire du bien. Amen. Envoie ceux qui vont me proposer voyage pour Dubaï. Oh. Envoie ceux qui vont me donner les vacances pour la Turquie. Amen. Envoie ceux qui vont me donner de l'argent pour que j'investisse. Amen. Je dis, il va envoyer, il va envoyer. Hey. Il va envoyer. Hey. Il va envoyer. Je reçois. Il va envoyer. Je reçois. Hey. Yes. Ma mère, mon père, tu passes ton temps, toutes tes journées à citer négatif. Mon père, négatif. Ma mère, négatif. Mon frère, négatif. Le pasteur, je ne comprends même plus. L'abbé, je ne comprends plus. L'évêque, je ne comprends plus. Ma soeur, s'il y a les négatifs, aussi les positifs. Amen. Il y a des gens qui t'aiment quelque part. Yes. Je vous ai dit que sur Internet, ils ont dit de manque d'amis et non d'ennemis. J'ai besoin de voir sur ma page mes amis. J'ai déjà trop de démons qui me dérangent. Je n'ai pas besoin d'ennemis sur ma page. Tous mes ennemis, quittez ma page. Tu ne veux pas quitter, je te fais quitter. Yes. Je préfère les ennemis qui ne disent rien. Si j'ai un ennemi sur ma page qui vient me rappeler qu'il est mon ennemi, je le bloque. Mais apprenez à bloquer vos ennemis. S'il va te polluer l'esprit, bloque-le. S'il va te rappeler que tu es une ancienne prostituée, bloque-le. S'il va te rappeler que tu es un grand pécheur, bloque-le. Là où se trouve ton péché est suspendu en haut, le sang de Jésus. Yes. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu peux m'expliquer ce que tu pleures là? C'est un mortel qui te fait pleurer comme ça? C'est un humain comme ça qui te fait pleurer comme ça? Comme une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Après Jesus. Quoi? Il y a un niveau, c'est même plus le démon qui te dérange. Tu es ton propre démon. Hein? Tu te déranges toi-même. Dieu t'a déjà dit une fois, essuie les larmes. Tu pleures encore quoi? Le temps que tu pleures, Dieu veut que tu essuies les larmes et que tes yeux soient ouverts pour voir ton mari qui arrive. Oh. Les larmes sont en train de t'empêcher de voir l'avenir. Hey. Les larmes t'empêchent de voir ton ministère. Hey. Les larmes t'empêchent de voir tes financements. Hey. Les larmes t'empêchent de voir les anges en face de toi. Je prophétise. Yes. Le Seigneur essuie tes larmes. Amen. Il essuie tes larmes. Amen. Il essuie tes larmes. Amen. Il essuie tes larmes. Amen. Madame, je te parle. Yes. Tu verras cette année. Amen. Le mariage de tes enfants. Oh. Tu verras cette année. Yes. Le voyage de tes enfants. Amen. Tu verras cette année. Yes. Ton ministère décollé. Amen. Je te m'adresse à toi. Yes. Je parle sur ta vie. Yes. Arrête de pleurer. Hey. Arrête de pleurer. Hey. Réjouis-toi. Amen. Que la stérile se réjouisse. Yes. Que la délaissée se réjouisse. Amen. Que la rejetée se réjouisse. Amen. Le Seigneur est sur le point yes. de faire quelque chose qui va éblouir, yes. qui va étourdir hey. Les yeux de ceux qui vont oh. voir, les oreilles de ceux qui vont entendre. Yes. Je déclare dans ta vie. Yes. Ton histoire change. Amen. Ça change. Amen. Ça change. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Une de mes filles qui est en Suisse, elle m'appelle, elle me dit, papa, j'ai écouté tel message, c'est le 22e, le 40e, et j'ai pleuré toute la nuit. Je lui dis, c'est quoi le problème? Je crois que je n'ai plus rien à faire sur la terre, je dois y aller me suicider. Hey. J'ai dit, tu as la grâce que tu es en Suisse, je suis au Cameroun, j'allais te gifler. Tu écoutes mon message, lui pleure parce que tu es ému de savoir que Dieu révèle ton histoire. Mais n'oublie jamais, après avoir révélé ces histoires-là, la solution est là. Yes, my God. Elle m'a dit, papa, quand tu as un peu de temps, appelle-moi. Je n'ai jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'allais lui parler mal. J'allais lui parler très mal. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les messages que nous prêchons, c'est pour vous faire quitter de là où vous êtes. Yes. Donc, je ne suis pas là pour venir te prêcher un message pour que l'année prochaine, tu pleures la même chose. Je suis venu te dire que cette année, ça yes. s'arrête là. Amen. Ce rejet s'arrête cette année. Amen. Ce mépris s'arrête cette année. Amen. La jalousie là, s'arrête cette année. Amen. C'est cette année, ça s'arrête. Amen. Il y a un temps où tu dis ça suffit, il faut que ça change. Yes. Ça suffit, là ça suffit. Yes. Il y a un temps pour pleurer, hey. Il y a un temps pour se réjouir. Hmm. Si le gars t'a quitté, il t'a laissé avec l'enfant, il ne regarde plus la photo du gars. Regarde ton enfant et rit. Oh. Madame, tu n'es pas belle, tu n'es pas content de voir ton enfant en vie, de dormir avec ton enfant dans tes bras. Tu n'es pas content de voir ta fille grandir, ton fils aller à l'école. Hmm. Tu n'es pas content même si le gars t'a laissé. Hey! Les hommes peuvent te quitter, mais Dieu est avec toi. Amen. La famille peut te ridiculiser, mais Dieu t'apprécie. Amen. Vous parlez de quel Dieu même en fait? Vous parlez de quel Dieu? Un Dieu qui abandonne comme ça. Il dit, une femme oublie tel enfant qu'elle allait. Une femme oublie tel enfant qu'elle allait. Et Dieu dit, même si elle le faisait. Donc il peut arriver qu'il y ait des femmes insensées, négligent, sous-estiment, banalisent les enfants qu'elles allaient. Mais Jésus dit, même s'il arrivait qu'une femme le fasse, moi l'Éternel. Mais c'est de ce Dieu qu'on prie. C'est ce Dieu qui n'oublie pas ses enfants qu'on prie.
dans ce monde où coronavirus terrasse tout le monde, notre Dieu ne nous peut pas nous oublier. Jamais. Nous lisons. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? J'ai une question à te poser. Dieu t'a créé, il t'a formé, il t'a oint, il t'a équipé, il t'a parlé, il t'a rempli. Il peut t'oublier. J'ai dit à quelqu'un, je suis me voir à terre et que je ne suis pas encore mort. Moque-toi pas. Mais le temps que tu vas te retourner là, je ne serai plus à terre. Yes. Je connais ce Dieu. Je connais le Dieu des épreuves. Je connais le Dieu de l'humiliation. Je connais le Dieu du rabaissement. Je connais le Dieu qui commence par le rejet et il finit par le projet. Yes. Et si ça commence par le rejet, après il te projette. Hey, je prophétise dans ta vie. Hey! Si les hommes t'ont rejeté, le Seigneur va te projeter. Amen. Tes affaires seront projetées. Amen. Tes finances projetées. Amen. Ta destinée projetée. Amen. Ta famille projetée. Amen. Ta gloire projetée. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Hey. Tu me racontes quoi? Ma belle-mère, ma belle-mère, ma belle-mère. Je conseille une de mes filles aujourd'hui qui me voit et me dit, je suis fatigué de ma belle-mère. Je dis, ouais. Et c'est quoi le problème? Ils vivent dans le même camp. Déménage! Camp familial là. Tu peux vivre au camp familial, il n'y a pas de problème. Tu racontes quoi? La belle-mère habite en face. Si tu prépares la nourriture de la belle-mère, la nourriture du beau-père, déménage! Ils sont enfants de Dieu, tout le monde est. Belle-mère, enfant de Dieu. Les filles de la belle-mère, enfant de Dieu. La femme, enfant de Dieu. Donc, les affaires de prière là, non? Elle envoie le feu, la belle-mère envoie le feu. Elle dit fire, la belle-mère dit water. Donc, c'est une affaire de guerre spirituelle. Hey. Maman, la qualité de guerre là, non? La meilleure victoire, c'est la fuite. Il faut déménager. Yes. Tu pleures quoi? Déménage! Tu penses qu'un homme, sa mère là, tu es là, il va te choisir. Ok. Quand tu le vois, novelas, on se voit devant. Tu vas dire, aujourd'hui, tu vas choisir entre moi et ta mère. Tu dis ça à qui? Hey. Un homme. Tu as pas encore bien fait les sacrifices. Tu vas faire. Déménage. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Ne reprends donc le verset encore pour quelqu'un d'autre ça chez lui. Ésaïe 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Hey! Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Moi je ne t'oublierai jamais. Attends, je lis ma version, après tu vas partir au verset 16. Mm. Mais le Seigneur répond. Le verset 14 même d'abord est important. Hein? Si on disait, l'Éternel m'abandonne. L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Les gens rejetés par les hommes croient que Dieu les a rejetés. Non, c'est ton gars qui t'a rejeté, c'est pas Dieu. C'est ta mère qui t'a rejeté, c'est pas Dieu. C'est ta tante qui t'a rejeté. Ta tante n'est pas Dieu. Ton pasteur n'est pas Dieu. Ton mari n'est pas Dieu. Ta femme n'est pas Dieu. Ton grand frère n'est pas Dieu. Ton petit frère n'est pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. C'est pas parce que les hommes te détestent que Dieu te déteste. Rassure-toi toujours avant de prendre une décision de te suicider. Je vais fouetter ce soir toute personne qui pense à ton suicide. Si cette nuit tu dors en pensant au suicide, la main de Dieu va te gifler, tu vas te retrouver par terre. Yes. Même si tout le monde autour de toi ne veut pas te voir en vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Yes. Dieu te maintient en vie parce que son projet est dans ta vie. Amen. Oh, pasteur, les gens ne t'aiment pas, les gens ne t'apprécient pas, les gens te sabotent. Et puis quoi? Et puis quoi? Parmi les gens que tu as vu me saboter, parmi les gens que tu as vu me critiquer, Dieu était dans le conseil là. Tu as vu 4 hommes parler de moi, Dieu était dedans. Tu as vu 3 filles parler de moi, Dieu était dedans. Tu as vu ma mère parler de moi, tu as vu Dieu dans le Congo, ça de ma mère. Tu as vu mon voisin parler de moi, Dieu était dedans. J'ai une question à te poser. Si Dieu était là, alors tu peux pleurer. Si Dieu n'était pas parmi ceux qui me sabotent, si Dieu n'était pas parmi ceux qui m'insultent, s'il te plaît, yes. Ne me dis plus. Qu'il reste avec. Yes. Ce que j'aime sur ceux qui sabotent les autres, j'aime souvent le dire. Oh, si on les sabote. Ce que j'aime ceux qui critiquent les autres, oh, si on les critique. Et ils aiment pleurer. Hein. Ceux qui critiquent aiment pleurer quand on les critique. Hein. Ceux qui aiment dénigrer aiment pleurer quand on les dénigre. Ceux qui aiment ridiculiser les autres aiment pleurer quand on les ridiculise. Alors, j'ai une chose à te dire. Nous lisons. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Laisse-moi lire ma version. Mais le Seigneur répond, est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait?
est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Celles qui ont... Les femmes comprennent ce que je dis? Oh là là. Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Verset 16. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Hey! Tes murs sont toujours devant mes yeux. Si ce gars t'a repoussé avec sa main, Dieu t'a recueilli avec sa main, yes, et il t'a gravé sur sa main. Amen. Écoute-moi bien. Si Dieu te grave sur sa main, quelle humiliation humaine peut t'enlever de la main de Dieu? Quelle insulte familiale peut t'enlever de la main de Dieu? Quel rejet professionnel peut t'enlever de la main de Dieu? Et maintenant, si tu es dans la main de Dieu, qui peut te faire quoi? Yes. Qui peut te montrer quoi? Je vais te montrer. Toi qui? Toi qui? Ah! N'importe qui se lève, il lance un défi à n'importe qui. Je vais te dire que le défi ne sera pas relevé par toi parce que tu es fort, mais parce que tu es un Dieu fort. Amen. Amen. Yes. Ton oncle te lance le défi. Le pasteur là te lance le défi. L'évêque là te lance le défi. L'apôtre là te lance le défi. Le prêtre aussi te lance le défi. Mon ami, n'oublie jamais une chose. Dieu. Quand tu viens, on va prier. Je vais l'invoquer. C'est ce Dieu que je vais invoquer. C'est quand je vais lui rappeler ce verset. Tu vas voir ce qui va se passer. Yes. Nous lisons. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Uh-huh. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée. Laisse-je lire ma version. Vois, j'ai écrit ton nom sur ma paume de mes mains. Je pense sans arrêt à tes murs de défense. Jesus. Donc Dieu lui-même élève autour de toi des murs de défense. Jesus. Donc tu n'as même pas besoin de crier. Il te défend. On fait attention, hein. Oui, fais attention. Ce n'est pas d'avoir peur. Faites attention avec votre langage. Quand il dit fais attention, ce n'est pas que aie peur de lui. Non, non, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Yes. On n'a pas peur du sorcier. On n'a pas peur du méchant. On fait attention en étant prudent, en rappelant à Dieu que, hé, tu as dit que tu nous protégeais. Protège. Amen. Jérusalem, ceux qui vont te reconstruire se dépêchent d'arriver. Tu comprends ça? Il y a des gens qui t'ont détruit. Mais Dieu dit qu'avant que les gens ne te détruisent, j'avais déjà mis une cargaison en route. Yes. De gens qui venaient pour te construire. Yes. Donc, avant même que les gens qui venaient te détruire n'arrivent, ceux qui devaient te construire étaient déjà en chemin. Oh, et ceux qui devaient te détruire sont arrivés, ils ont détruit. Et ceux qui doivent te reconstruire. Hey. J'entends Dieu me dire, il y a une maison, la gloire de la prochaine maison, Jesus, qui sera meilleure que la première. Hey. Dieu, quand il réalise que tu as fait le premier plan, et ce n'est pas bien donné, il envoie le deuxième plan pour te donner une meilleure maison. Yes. J'entends Dieu me dire, le premier Adam a échoué et le deuxième est venu. Il s'appelle Jésus. Oh. Il a réussi. Hey. Je ne connais pas les premières choses par lesquelles tu es passé. My God. Mais je vais te dire une chose. Yes. Les prochaines choses seront meilleures. Amen. J'entends Dieu me dire, avant de bénir une personne, yes, il envoie d'abord le brouillon. Hey. La relation passée était le brouillon. My God. Tu vas entrer dans le propre maintenant. La vraie relation arrive. Amen. Le vrai ministère arrive. Amen. La vraie puissance arrive. Amen. La vraie grâce arrive. Amen. J'annonce à quelqu'un. Yes. L'esprit de rejet te quitte. Amen. L'esprit d'humiliation te quitte. Amen. Mon accomplissement te quitte. Amen. J'annonce à une personne. Yes. Le même patron hier, hey, qui refusait de signer ta mission. Hey. Après ce programme, yes, tu serais élevé. Amen. Tu serais élevé. Amen. Tu serais élevé. Amen. S'il refuse de t'élever, hey, le ciel signe, yes, son licenciement. Hey. Je prophétise. Yes. Les mêmes personnes qui hier ne te saluaient pas, hey, ils vont t'aider. Amen. 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 Donne-moi un amen bien. Amen. Qu'est-ce que tu me racontes? Je crois en ce Dieu. Je crois en ce Dieu. J'ai vu quelque part où Tibuson soit disait, on lui posait la question, comment tu fais pour faire les miracles? Il dit, pour faire les miracles, je lis la parole et je la médite. Et je la repasse dans mon cœur. Donc quand il voit dans la Bible que Jésus a guéri, il rappelle ça à son cœur. Jésus a guéri, Jésus a guéri, Jésus a guéri. Et c'est comme ça qu'il fait les miracles. J'ai compris, Église. La parole de Dieu est puissante, efficace et vivante. Amen. Pour ceux qui la confessent et qui croient à ce qu'ils confessent. Je crois que Dieu va me délivrer de ce problème. Amen. Je crois. Je crois que Dieu va me délivrer de cette maladie. Je crois. Je crois que cet échec, il va me délivrer de ça. Ceux qui vont te reconstruire se dépêchent d'arriver. Pourquoi? Tu es sur la main de Dieu. Dieu ne peut pas laisser une fille finie sur sa main. Un homme épuisé sur sa main.
pendant que tu es sur sa main, lui-même prend toi en charge. Il n'a pas dit un ange. Il dit, tu es sur la main de Dieu. Qui sont ces rejetés-là? Je suis venu parler à un rejeté, à un répudié, à un abandonné, à un désœuvré. Ce soir, Dieu va te recharger. Amen. Le Seigneur va te recharger. Amen. Le Seigneur va te recharger. Amen. Je suis venu recharger quelqu'un ce soir. Yes. Tes batteries seront rechargées. Amen. Tu n'abandonnes pas. Jamais. Tu n'abandonnes pas. Jamais. Tu ne te suicides pas. Jamais. Je dis, tu ne rentres pas en arrière. Jamais. La grâce que je transporte te localise, Amen. Te remplit, Amen. Te propulse, Amen. Vers ta gloire, Amen. Vers ton ministère, Amen. Vers ta grandeur, Amen. Vers ton élévation. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Dis je reçois, je reçois, dis je reçois, je reçois, dis je reçois, je reçois, au nom de Jésus. Yes. Ceux qui vont te reconstruire, ce n'est pas arrivé. Ceux qui t'ont détruit et écrasé vont s'en aller. Il y a une qualité de séparation qui vient de Dieu. Yes. Ouais, ouais, il me donnait l'argent. Écoute, 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 écoute. Celui qui te donne l'argent est obligé de partir parce que celui qui te donne l'or arrive. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, arrête de pleurer l'argent parce que l'or est en route. Yes. Les diamants sont en route. Hey. Madame, je suis désolé parce que tu es sur la main de Dieu. Yes. Tu n'es plus au niveau de l'argent. Jamais. Tu n'es plus au niveau de l'argent. Jamais. Tu es au niveau de l'or. Yes. Pierre a dit au paralytique, acte chapitre 3, je n'ai ni argent. Je n'ai ni or, mais ce que j'ai, c'est l'onction. Yes. J'annonce à quelqu'un, yes. Ce qui arrive n'est pas ce qui est venu déjà. Amen. Ce qui arrive n'est pas ce qui est parti. Yes. Ce qui arrive n'est pas ce qui est parti. Amen. Elle est partie, il n'y a pas de problème. Hey. Celle qui arrive est meilleure. Amen. Ton ami est parti, il n'y a pas de problème. Hey. Celui qui arrive est meilleur. Amen. Le pasteur est parti, il n'y a pas de problème. Hey. Celui qui arrive est meilleur. Amen. J'annonce à quelqu'un. Yes. J'annonce à quelqu'un. Yes. La femme de Potiphar, hey. Et Potiphar, hey. Ils ont rejeté Joseph. Oh. Parce que Dieu voulait amener Joseph au niveau de Pharaon. Jesus. Je prophétise, yes. Je déclare dans ta vie, hey. Ce qui est meilleur arrive. Amen. Celui qui est aux États-Unis est parti. Hey. Celui qui est au Canada arrive. Amen. Celui qui est au Canada est parti. Hey. Celui qui est en France arrive. Amen. J'entends Dieu me dire, yes. Il viendra de la Côte d'Azur. My God. Je prophétise sur ta vie. Yes. La gloire de Dieu t'accompagne. Amen. La grâce de Dieu t'accompagne. Amen. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Hey. C'est à ça que je crois. Yes. Tu pars, ceux qui me connaissent savent. Je suis le pasteur peut-être le plus bizarre de la terre. Dès que tu me dis que tu veux partir, je te fais tes bagages moi-même. Yes. J'ai appris avec Dieu qu'une place libérée, toi d'autres personnes viennent. Et notre église fonctionne comme ça. Yes. J'avais dit à un homme de Dieu un jour, libère-t-elle. Il me dit non. Je dis libère. Il veut partir, libère-le. Moi, je libère les gens. Hein, et je ne maudis personne. Eh, si tu pars, je te libère. Je ne te maudis pas. Parce que je sais qu'après toi, quelqu'un d'autre viendra. Amen. Quand moi je suis reparti prendre l'église de Douala en début d'année, elle était presque vide. Mais elle est pleine aujourd'hui. Yes. Elle est pleine. C'est Dieu qui remplit. C'est Dieu qui bénit. Yes. L'argent alors c'est autre chose. Si tu me promets, tu ne donnes pas. Quelqu'un d'autre va faire. Amen. Je crois en ce Dieu. J'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu qui dit, ceux qui partent, ceux qui t'ont fait du mal, partent. Et ceux qui vont te faire du bien sont en train de se dépêcher. Amen. Vous faites quoi là? Vous faites quoi là-bas à Paris? Vous partez à pleurer à Paris alors que Dieu est en train de dire à quelqu'un de se dépêcher. Il est parti seulement pour faire ses achats à la boutique Louis Vuitton. En sortant, toi aussi tu passais seulement comme ça par hasard. Hey. Et son regard tombe sur toi. Oh. Je niance à 15 filles ce soir. Yes. Ça t'arrivera cette année. Amen. Ça t'arrivera cette année. Amen. Ça t'arrivera cette année. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Hey. C'est Dieu qui dit. La Bible, c'est le livre des rêveurs. Oh, moi, j'aime la Bible. Toi, tu parles les contes de fées. Il y a une de mes filles là qui aime publier sur Internet les affaires des dessins animés. Elle est même servante. Je vais la délivrer. Publie-moi les choses de la Bible. Mais Dieu te bénisse quand même, Léa. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de problème. Amen. Il faut arrêter les affaires des dessins animés là. On a les vraies choses dans la Bible à lire. Publie-nous ça. Elle dit les contes de fées, les princesses. Princesses de quoi? Histoire imaginaire. Ne te parle des histoires célestes. Yes. Amen. Ceux qui vont te reconstruire se dépêchent d'arriver. Ceux qui t'ont détruit et écrasé vont s'en aller. Lève les yeux et regarde autour de toi. Tous tes enfants se rassemblent. Toutes tes bénédictions se rassemblent. Yes. Les aides destinées te rassemblent. Hey. Tes bénédictions se rassemblent. Yes. L'onction dans ta vie se rassemble. Yes. Il dit seulement pour ça, il faut lever les yeux qui n'ont pas les larmes. Parce que quand tu as les larmes aux yeux, tu les baisses, tu baisses la face. Mais quand tes yeux sont secs,
tu peux lever tes yeux. Mon ami, ce soir, lève les yeux. Amen. Lève les yeux. Amen. Il arrive. Amen. Elle arrive. Amen. Ta bénédiction arrive. Amen. Ta lumière arrive. Ta gloire arrive. Amen. Ton élévation arrive. Amen. Je suis déjà en train de penser après Corona. Après Corona. Après Corona. Oh. Après Corona. Yes. Après Corona. Yes. Ton mariage sera célébré. Amen. Ton voyage sera célébré. Amen. Ton élévation sera célébré. Amen. Ton ministère sera célébré. Amen. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Je le déclare, moi le Seigneur, deux points. Aussi vrai que je suis vivant, Dieu jure sur lui-même pour dire à un délaissé, pour dire à un rejeté, arrête-moi les conneries là. Vous allez comprendre pourquoi je suis un peu dur. C'est que je ne comprends pas quelle Bible vous lisez. Pourquoi que je n'ai pas les problèmes? Pourquoi je ne suis pas attaqué? Pourquoi je ne suis pas rejeté? Pourquoi je ne suis pas insulté? Ah, vous rêvez? Je suis peut-être plus insulté que toi. Je suis peut-être plus attaqué que toi. J'ai plus de combat que toi. Mais, tu sais sur quoi je m'appuie? C'est ce qui est écrit. Amen. Hé! Hey! Dis-moi le verset 18 chez toi. Ésaïe 49, verset 18. Porte tes yeux alentour. Porte tes yeux, regarde autour. Et regarde. Et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes enfants. Je suis vivant, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enceindras comme une fiancée. Aussi vrai que je suis vivant, ils seront pour toi comme un collier de perles. Yes. Comme la ceinture qu'une fiancée se met autour de la taille. Verset 19. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Tu vis parmi les ruines. Tes quartiers sont détruits, Jesus. Ton pays est un désert. Mais il sera bientôt trop petit pour ses habitants. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un une série de déménagements. Yes. Amen. C'est-à-dire que tu ne seras plus à l'aise, tu déménages. Amen. Tu déménages. Amen. Tu quittes de pays en pays. Hey! Parce que la gloire va te localiser. Yes! Je voulais dire, la gloire va te traumatiser. Amen. La gloire va t'époustoufler. Amen. Le Seigneur va te faire du bien. Amen. Le Dieu qui m'a élevé va t'élever. Amen. Le Dieu qui m'a sorti de la chambre de la cité U, hey, qui m'a amené là où je suis, hey. Il le fera pour toi, oh. Je reçois. Il le fera pour toi, oh. Je reçois. Il le fera pour toi, oh. Je reçois. Il le reçoit. Je reçois. Yes. Vous vivez, vous créez, vous croyez en quel Dieu? Le Dieu des autres? Les autres confessent, ils ont. Les Nigérians confessent, Dieu les élève. Les Ghanéens confessent, Dieu. Mon ami, le Dieu que je prie, c'est le même Dieu que du Nigeria. C'est le même Dieu du Ghana, le même Dieu des États-Unis. Je crois en ce Dieu. Amen. Et il va faire. Amen. Seulement à cause de moi, il va faire. Amen. Si tu ne crois pas, je crois pour toi. Si tu ne penses plus, moi je pense pour toi. Amen. Si tu n'espères plus, j'espère pour toi. Yes. Je vais... Voici... On était quel verset? 19. Je suis allé très loin là. Mais il sera bientôt trop petit pour ses habitants et ceux qui détruisaient ta vie partiront loin de toi. Yes. Verset 20. Ils répéteront à tes oreilles ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Ces bénédictions dont tu fus privé, Haya. Ces gloires dont tu fus privé, ces l'or là dont tu fus privé, il n'y a plus d'espace pour l'or. Je crois. Parfois, j'arrive à Dubaï, je pars dans le marché, on vend l'or. Je n'ai pas l'argent pour ça. Mais je reste là. Je dis, Seigneur, un jour, un jour. Yes. Un jour, un jour. On vend seulement l'or. Il y a les boutiques, on vend seulement l'or. On te dit que ça va être ça contre d'autres, les filles en Inde. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Yes. Ta dot ne sera pas avec les porcs. Hey. Il dit ta dot ne sera pas avec les porcs qui vont mourir en chemin. Hey. Il dit ta dot ne sera pas avec les chèvres tordues. Hey. Les chèvres boiteuses. Hey. J'annonce à quelqu'un. Yes. J'annonce à quelqu'un. Yes. Non, 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 je non, non, reçois, non. Oh. Je reçois. Je oh. reçois. Hey. C'est de ta Bible que je parle. C'est écrit dans ta Bible. Il sera bientôt trop petit pour ses habitants et ceux qui te détruisent partiront. Tu étais comme une femme sans enfant, mais un jour, tes enfants diront, je suis à l'étroit. Fais-moi la place pour que je vive ici. Et tu te poseras cette question, qui m'a donné tous ces enfants? Je n'avais pas d'enfants, je n'avais pas d'enfants, je n'avais pas de bénédiction, je n'avais pas d'argent, je n'étais pas. Ils viennent d'où? Ils viennent de la main de Dieu sur laquelle tu étais gravé. Tu te poseras, mais ça vient d'où?
Il y a un temps, on va arriver. Vous parlez de corona. On sera assis comme ça à New York avec nos masques. Oh. Hey. Hey. On sera assis à New York avec nos masques. Mais on sera quand même à New York. Yes. Elle dit que tu seras assis avec ton masque comme ça en train de dire Seigneur, tu es bon. Yes. Pour qu'on ne te contamine pas, mais la gloire de Dieu est sur ta vie. Oh. J'ai dit, ça va t'arriver. Amen. Ça va t'arriver. Oh. Amen. Hey. Hey. Le gars est en Bafia. Hey. La fille d'un Colmesson. Hey. La fille d'un Kouaban. Hey. Tu seras assise comme ça au Canada, à Ottawa. Ah. En train de tourner sur ta chaise. Oh. En train d'esprit les purs. Yes. J'ai dit, ça va t'arriver. Amen. J'ai dit, ça va t'arriver. Je reçois. Ça va t'arriver. Je reçois. Hey. Hey. Donc la bonne vie, c'est pour les autres. Hey. La gloire, c'est pour les autres. Hey. La galère, c'est pour les autres. Hey. Chapelle de la grâce. Yes. Pour nous, là. Yes. Meilleure production du pays. C'est pour nous. Meilleure production du pays. C'est pour nous. Les meilleures prophéties. C'est pour nous. Les meilleures grâces. C'est pour nous. Les meilleures onctions. C'est pour nous. Les meilleures faveurs. C'est pour nous. Les meilleures bénédictions. C'est pour nous. Au nom de Jésus. Yes. Ouais, je vais finir ça demain. Pardon. J'ai fini le message ici demain. Je suis fatigué. Parce que je comprends pas si tu comprends ce que je comprends. Mm. Bah, si on ne se comprend pas, mais on allait ce soir. Mm. Hey! Comment tu vis comme ça? Demande à tous les riches qui sont là, que tu lis sur Internet, par où ils sont passés. Dieu a fait quelque chose. Yes. Dieu a fait quelque chose. Mm. Tous les riches là, ils partent, ils sont partis du néant. Tu penses que nous, on ne peut pas croire que tu vas t'enlever? Et moi, je crois. Mm. Daniel était un déporté. Mm. Il est devenu premier ministre. My God. Joseph était un prisonnier. Hmm. Est devenu numéro 2. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Jacob était esclave de Laban. Hmm. Mais Dieu a transformé. Et Dieu a enrichi Jacob plus que Laban. Yes. Tu me racontes même quoi? Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Oh! Je reconnais. Est-ce que l'église peut chanter? Que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Oh, ta gloire. Envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu vas élever ta voix là où tu es. Toute blessure dans ton cœur, liée à l'esprit de rejet, qui te fait pleurer pour rien, qui te fait continuer à te lamenter dans le passé, qui te fait continuer à ressasser les problèmes du passé. Jesus. Tu vas dire, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, par ton sang, cicatrise la blessure. Je veux penser à mon mariage, je veux penser à mon enfant, je veux penser à mon avenir. Si ma mère m'a fait du mal hier, pardon, que ton sang cicatrise. Mon cœur est trop petit parce que mes enfants doivent l'occuper. Mon cœur est trop petit parce que mes comptes bancaires doivent l'occuper. Je n'ai plus besoin de garder ma mère dans mon cœur, de garder mon ex dans mon cœur, de garder mon ancien pasteur dans mon cœur, de garder mon ancienne copine dans mon cœur. Seigneur, cicatrise la blessure. Élève ta voix, s'il te plaît. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus cicatrise la blessure dans ton cœur. Les choses qui t'ont fait du mal, les choses qui t'ont fait du mal, les choses qui t'ont blessé, Seigneur, cicatrise. Seigneur, cicatrise. Cicatrise dans le cœur. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux invoquer le sang de Jésus? Que le sang de Jésus guérisse ton cœur ce soir. Que le sang de Jésus vienne cicatriser les blessures du rejet, les blessures dans ton cœur. Dis, oh Dieu, guéris mon cœur ce soir, par ton sang précieux, guéris mon cœur ce soir, cicatrise ces blessures. J'ai trop souffert, j'ai trop souffert. Mon cœur est fatigué, mon cœur est fatigué, fatigué d'être fatigué. Oh Dieu, guéris mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon cœur. Oh Seigneur, par ton sang, cicatrise, cicatrise, cicatrise. Parle à Dieu ce soir, Église. Parle à ton Dieu. Dis à Dieu, guéris mon cœur ce soir. Cicatrise ces blessures. Mon cœur a longtemps souffert à cause des blessures. Mon cœur a longtemps souffert. Cicatrise-le par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que mon cœur soit guéri. Que mon cœur soit guéri. Que mon cœur soit guéri. Invoque le sang de Jésus ce soir. Invoque le sang de Jésus ce soir. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Jésus-Christ sur la croix. Est-ce qu'on peut chanter? Cria son. Est-ce qu'on peut chanter ce soir? Eli, Eli, Eli. Écoute-moi, pendant que nous sommes en train de chanter ici, toute femme, tout homme, il y a une blessure dans l'âme. Le sang de Jésus la localise et cicatrise la blessure. Amen. Je sens Dieu me dire que les choses qui arrivent sont de grandes choses. Et pour ça, le cœur doit être préparé. Le cœur est la piste d'atterrissage de ta bénédiction qui vient du ciel. Si ton cœur n'est pas équipé, préparé comme piste internationale, un type d'avion ne peut pas atterrir. Il y a un type d'avion qui ne peut pas atterrir dans nos pistes d'atterrissage ici parce qu'elles ne sont pas préparées à une certaine dimension internationale. Ton cœur n'est pas encore préparé. Cette blessure empêche à ton mari d'arriver. Cette blessure empêche au diamant d'arriver dans ta vie. Cette blessure empêche à la gloire d'arriver dans ta vie. Ce soir, pendant qu'on va chanter ici, le Seigneur va penser tes blessures. Amen. La chose qui te fait le plus mal, rejet familial, rejet amical, rejet professionnel, rejet ecclésiastique, rejet des fiançailles, rejet financier. La chose qui te fait le plus mal, qui t'a blessé pendant des années. Pendant que nous allons chanter ici, le Seigneur pense ta blessure. Après, nous allons faire une prière de possession, une prière de puissance, une prière de gloire. Nous allons chanter ici le sang de Jésus. Et pendant que l'on va chanter, le Seigneur va penser ta blessure. Madame, monsieur, je t'annonce que c'est ce soir. C'est fini. Amen. La chose là est finie. Amen. Le monsieur là, il part. Il part. La femme là, il part. Elle part. Ton patron là, il part. Il part. Ce pasteur là, il part. Il part. Le Seigneur prépare ton cœur. Amen. Pour me donner la vie, c'est le sang. C'est le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut élever la voix? Qui court. Merci, merci. Gloire à Jésus.
la croix, crie à son père, Eli, Eli, Eli. Dans ta vie, yes. Ce que ton père t'a fait, ce que ton géniteur t'a fait, ce que ta génitrice t'a fait, ce que ton frère t'a fait, ce que ton enfant t'a fait, ce que ta soeur t'a fait, ce que ce pasteur t'a fait, ce que ton ex t'a fait, ce que le père de ton enfant t'a fait, ce que la mère de ton enfant t'a fait, quel qu'en soit ce qui t'a blessé, ce soir, tu pardonnes. Amen. Nous pardonnons. Amen. Nous pardonnons. Amen. Nous pardonnons. Amen. Nous pardonnons. Amen. Que le sang de Jésus, yes, cicatrise nos cœurs. Amen. Nettoie nos cœurs. Amen. Purifie nos cœurs. Amen. Libère nos cœurs. Amen. Que le cœur de chacun de nous soit préparé, yes, pour accueillir l'or qui arrive. Amen. Pour accueillir les diamants qui arrivent. Amen. Pour accueillir l'onction qui arrive. Amen. Pour accueillir la puissance qui arrive. Amen. Pour accueillir la gloire qui arrive. Amen. Seigneur, prépare les cœurs. Yes. Seigneur, équipe les cœurs, amen, pour recevoir ce qui arrive. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas continuer à prier maintenant. Yes. Parce que je sais que ton cœur est libéré. Maintenant, tu vas appeler, ça va venir. Yes. Ça doit venir. Amen. Église, il a dit que la délaissée ne dise plus sur délaissée. Parce que la petite maison où tu étais seul, tu te sentais seul là, il n'y aura plus d'espace. Hey. Tu seras obligé de déménager. Yes. Je ne sais pas ce qui est en train d'arriver. Ce qui est dans ton cœur actuellement, c'est les enfants que tu veux. Il y a des femmes qui me regardent ce soir. Tu vas commencer avec les jumeaux. Je dis que même si dans ta famille, il n'y a pas les jumeaux dans le autre sang, hey, mais dans le sang de Jésus là, yes, il y a les jumeaux dedans. Yes. Dans le sang de Jésus, il y a les jumeaux. Amen. Parce que Jacob Israël, hey, est un jumeau. Yes. Et nous sommes d'Israël. Je dis, Dieu, tu auras les jumeaux. Amen. Tu auras les jumeaux. Je reçois. Il y a des gens ici, tu n'auras pas une voiture une fois, tu auras deux voitures une fois. Je reçois. On va t'offrir deux maisons une fois. Je reçois. On va t'offrir deux immeubles une fois. Je reçois. On va t'offrir deux terrains une fois. Je reçois. Ça viendra en paix. Yes. Ça viendra en paix. Amen. Ça viendra en paix. Amen. Ça viendra en paix. Yes. Tu vas parler maintenant. Fais du Seigneur, yes, ça vient. Amen. Si c'est les enfants, tu mets ta main sur le ventre. C'est ça. Si c'est le business, tu mets. Ben, ça doit se cacher dans le ventre. Ça doit, yes, commencer dans le ventre. Yes. Tout ce qui doit venir là, c'est dans le ventre, ça commence. Mm. Ce que tu veux là, tu dis Seigneur, ça vient. Yes. Mon mariage, ça vient. Yes. Ma gloire, ça vient. Yes. Mon ministère, ça vient. Yes. Les dons spirituels, ça vient. Yes. Élève-toi, commence à prier. Yes. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. En claquant les mains là où tu es. Commence à appeler ces choses. En posant la main sur ton ventre. Appelle toutes les bonnes choses, toutes les meilleures productions. Mmh. Appelle-les. Ce que ton cœur désire, dis à Dieu, mon cœur est prêt. Appelle la chose. 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 La Bible dit, ce que nous lirons sur la terre sera lié aux cieux. Commence à lier. Commence à appeler. Commence à appeler. Commence à déclarer. C'est le mariage. Dis, je t'appelle. Je te reçois. Je t'établis dans ma vie. Établis la chose dans ta vie. Pendant que tu pries, pendant que tu parles, la chose s'établit. C'est ce que tu dis qui se fera. C'est ce que tu demandes que tu recevras. Parle à Dieu ce soir. Avec la main sur ton ventre. Parle à Dieu. Cette chose-là, c'est ce soir que tu reçois.
Je veux que tu pries, Église. Parle, 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 parle. Parle, parle. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore prié. Je veux t'entendre. Tu n'as pas encore prié. Est-ce que tu peux parler? Miracle, miracle worker. Miracle worker. You are the miracle worker. Come and do a miracle. A miracle today. Come and do a miracle. Est-ce qu'on peut lever la voix? A miracle today. Miracle worker. Miracle worker. Oh, miracle. You are the miracle worker. Come and do it. Come and do miracle. A miracle. Miracle. A miracle today. Come and do it. Come and do miracle. A miracle. Oh. A miracle today. Destiny changer. Destiny changer. You are the destiny changer. Come and change my destiny. My destiny today. Come and change. Come and change my destiny. My destiny. My destiny today. Your name. Your name is Yahweh. Oh. Your name is Yahweh. You are it. You are the miracle. Walking on. Est-ce que tu peux chanter ça? Your name is Yahweh. 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 You are. You are the miracle walking on. Hey! Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Oh, Yahweh. Your name is Yahweh. Oh, your name is Yahweh. You are, you are, you, you are. Are you are the miracle working God. You are the miracle. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name. Walking God, your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Oh, your name is Yahweh. Une dernière fois. You are the miracle walking God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Je déclare dans ta vie par la grâce et par l'onction de Dieu, yes. Par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ, yes. Tout esprit de rejet qui bloquait ton mariage est paralysé. Amen. Tout esprit de rejet qui bloquait ton enfantement est neutralisé. Amen. Tout esprit de rejet qui bloquait ta promotion est détruit. Amen. Tout esprit de rejet qui cassait tes relations est brisé. Amen. Je déclare le Seigneur te restaure. Amen. Le Seigneur te libère. Amen. Le Seigneur te délivre. Amen. Le Seigneur te délivre. Amen. Le Seigneur te délivre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que la grâce descende sur toi comme un vêtement. Amen. Que la faveur soit sur toi comme un manteau. Amen. Le rejet est brisé dans ta vie. Amen. Le rejet est détruit dans ta vie. Amen. Le rejet est paralysé dans ta vie. Amen. Le rejet est neutralisé dans ta vie. Amen. Je prophétise. Yes.
il est parti. Plusieurs reviennent. Amen. Plusieurs arrivent. Amen. Ceux qui t'ont détruit partent. Yes. Ceux qui vont te rebâtir viennent. Amen. Ils viennent en se dépêchant. Amen. Ils viennent avec vitesse. Amen. Ils viennent avec rapidité. Yes. Le Seigneur te prépare. Yes. Le Seigneur t'équipe. Amen. Le Seigneur te remplit. Amen. Le Seigneur te bénit. Amen. Ton ministère explose. Amen. Ton ministère explose. Amen. Ton ministère explose. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. C'est le temps de l'offrande. Envoie ton offrande par Orange Money, Dieu te bénisse en même temps. Par Wall Remit, Dieu te bénisse. Nous rappelons que le lien Macabo Church a des petits soucis. Si vous voulez envoyer vos offrandes, vos sacrifices, vous pouvez passer soit par Wall Remit ou bien par PayPal. Si vous avez des difficultés, écrivez-nous juste après et le Seigneur nous bénit. Amen. Le Seigneur nous bénit en même temps. Sa gloire est dans nos vies. Église, nous voulons survoler ce message, mais Dieu nous a dit de rester. C'est un message mondial. C'est un message universel. Yes. Qui doit nous délivrer d'abord nous. Je rappelais aux hommes de Dieu que lorsque je prêche ces messages, la première personne concernée, c'est moi. Donc si vous ne dites pas Amen, moi je dis d'abord Amen pour moi-même. Parce que j'ai besoin d'entrer dans cette bénédiction. Amen. J'ai besoin d'entrer dans cette révélation. Yes. Église, enfant de Dieu, le Seigneur est bon. Pendant que tu fais ton offrande, on va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Le Seigneur agira encore ce soir. Mon ami, le confinement, si tu ne vas pas finir avec le stress, l'AVC ne va pas te prendre. Nous allons louer le Seigneur et pendant qu'on va louer, les portes des prisons vont s'ouvrir. Amen. Paul et Silas, pendant qu'ils louaient, les prisons se sont ouvertes. Le sorcier, le diable, a fait de ta maison une prison. Aujourd'hui, tu es confiné dans une prison. Ta louange chez toi. Là où tu es là-bas, dans ton pays, dans ta ville, dans ta maison, la louange là-bas te fait sortir de cette prison. Dans Actes chapitre 16, pendant que Paul et Silas louaient, le Seigneur a brisé les prisons et ils sont sortis de la prison. Ce soir, tu vas danser comme tu n'as jamais dansé. La gloire de Dieu va se manifester. Envoie ton offrande en même temps pendant que nous dansons. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après ta mort, après la mort, ce sera toi. Si tu es vivant, ma soeur, si tu es vivant, oh oh, il faut louer le Seigneur. Après ta mort, ma soeur, après la mort, ce sera toi. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Oh, après ta mort, après la mort, ce sera. Et tous les vivants louent le Seigneur. Oh, les vivants louent le Seigneur. Tous les vivants louent le Seigneur. Loue le Seigneur. Et loue Jésus. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Oh, oh. Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Tu nous donnes le pouvoir, tu nous donnes la vie, oh. Tu nous donnes la paix et tu nous donnes la grâce. Oh, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Oh, oh. Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, eh bah. Alléluia, I serve a God who is mighty, oh, yo, yo. Jesus God is a good God, alléluia, God call him a miracle, miracle papa, I serve a God who is powerful, alléluia, allez, yo, 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 alléluia, eh, miracle papa, allez,
allez, allez, allez, alléluia, allez, 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 yo, 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 alléluia, Eva, 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 miracle, papa, allez, 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 alléluia, allez, 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 yo, 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 alléluia, Eva, 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 miracle, papa, oh, yo, 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 yeah.
Promotion pour mes pères et sœurs.
promotion pour mes parents. Jésus donne promotion. Élévation, élévation. Jésus donne élévation. Élévation, élévation. Jésus donne élévation. Élévation, élévation. Jésus donne élévation. Cette année c'est pour moi. 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 Cette année pour ma famille, oh. Cette année c'est pour moi. Cette année c'est pour moi. Cette année dans ma poche. Cette année c'est pour moi. Cette année dans mes affaires. Cette année c'est pour moi. Cette année, oh. Cette année c'est pour moi. 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 Cette année c'est pour moi, oh. Cette année c'est pour moi. Oh aïe 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 aïe. Oh oh. Jésus, oh Jésus, tu es ma joie et mon refuge, Jésus, tu es ma vie. Et moi j'espère à prononcer ton nom. Aïe, 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 aï
aïe 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 aïe. Dieu te bénisse, toi qui étais connecté ce jour. Aujourd'hui, c'était l'introduction de notre nouvelle phase de parole, de libération, de délivrance. Nous avons coupé le message, coupé la louange, coupé l'adoration, parce que c'est l'introduction. Nous chauffons, nous allons comme le moteur diesel progressivement. Mais demain, nous montons en puissance. Je t'invite à écouter nos 24 enseignements qui sont passés déjà. Et cet enseignement de ce jour, réécoute-le avant celui de demain, parce que ce sera le résumé et la suite. Nous n'avons pas fini le message aujourd'hui, mais nous allons le continuer demain. Nous bénissons davantage le Seigneur pour ta vie. Tu as besoin de mon numéro de téléphone parce que ce qui est dit te concerne. Écris-moi inbox, je t'en donne mon numéro WhatsApp et nous pourrons nous parler. Nous pourrons prier ensemble. Et je rappelle, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent encore pour me dire, il y a tel pasteur qui m'a appelé, est-ce que c'est vous qui avez demandé? J'ai l'impression que vous n'écoutez pas les directs. Nous avons demandé que les pasteurs vous appellent pour prier pour vous, pour vous libérer, pour déclencher les paroles prophétiques dans vos vies. Et lorsque ces pasteurs de la chapelle de la grâce vous appellent, pas besoin de m'écrire encore de vous pour me demander. C'est pour ça que je ne réponds pas quand vous m'écrivez. Quand vous m'écrivez, je ne réponds pas parce que je vous ai déjà dit ça pendant le direct. Les hommes de Dieu ont l'autorisation de vous appeler et de prier pour vous et de prier avec vous. Et je vous ai dit qu'ils ont une grâce exceptionnelle, une onction prophétique aiguisée, démontrée, et le Seigneur agit au travers de leurs paroles. Donc, quand les hommes de Dieu vous appellent, vous savez déjà que c'est la chapelle de la grâce. Nous ne sommes pas là pour arnaquer ou bien faire quoi que ce soit. Nous faisons un travail et moi je prêche et ces hommes de Dieu vous appellent pour prier spécialement pour vous. C'est notre travail. Donc, demain, nous entrons dans les profondeurs de grâce, de délivrance. Je voulais préciser quelque chose. Parlant du coronavirus, nous voulons dire aux enfants de Dieu que nous sommes de continuer à être prudents, à respecter les règles, distanciation, laver les mains et tout ce que vous savez. Et prenons toutes nos potions que vous connaissez. Aïe, Dinja, buvons ça, couvrons-nous, faisons tout ça. Toutes les personnes que je connais en Europe qui ont été guéries de cette affaire, les Africains bien sûr, ils ont fait ça. Que ce soit la l'OS Vera, faisons ça, que cette affaire vienne nous trouver étant prêt. Je vous invite, je nous invite tous à se préparer. On a l'impression que les Blancs nous préparent autre chose que ce qu'on voit. C'est pour ça qu'on doit s'équiper, remplir, préparer notre système immunitaire. J'ai une grande sœur en France, elle, ça l'a pris à la maison. Elle avait fait un mois de confinement, trois semaines de confinement. Le virus est venu la chercher dans sa maison. Donc, on peut se cacher n'importe où. Si on n'est pas prêt, cette affaire peut nous terrasser. Donc, je vous invite, Église, peuple de Dieu, enfant de Dieu, il est normal pour nous de boire tout ce que vous savez là. Il est normal de boire tout ce que vous savez et de respecter toutes les règles qui ont été prescrites. Et le Seigneur nous bénira, le Seigneur nous préservera de ces choses. Donc, enfants de Dieu, peuple du Seigneur, n'ayons pas peur de cette affaire-là. Soyons forts moralement, mentalement. Donc, toi qui es connecté et tu as un sujet de prière spécifique, tu peux m'écrire tout à l'heure. Le Seigneur agira, le Seigneur bénira. Je bénis Dieu pour toute l'église de Douala. Les pasteurs, les évangélistes, les anciens, les serviteurs, les diacres, les fils et les filles de l'église, Dieu vous bénisse. Ceux de Yaoundé, Dieu vous bénisse. Tous les responsables pour le travail que vous faites, Dieu vous bénisse. Tous ceux de Paris, Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont dans le monde, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos offrandes, merci pour vos dîmes, merci pour vos sacrifices, merci pour vos prières. Demain, je vous assure et je vous rassure que Dieu nous fera passer notre dimension. Je sens que ce message de ce soir, c'est le message d'une personne. La gloire de Dieu va se manifester, la grâce de Dieu sera au rendez-vous. Ne laisse pas que ta famille ne soit pas au courant de ces moments. Invite un frère, même après le direct, invite une soeur à venir écouter. Si elle n'a pas les mégas, envoie-lui les mégas de 1000 francs, de 2000 pour qu'elle écoute la parole. Et au travers de ça, Dieu te bénira. Ce message, c'est notre message. Le message de ce soir, c'est mon message. Je vais l'écouter au moins trois fois avant de dormir parce que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé ce soir. Et s'il t'a parlé, réécoute-le et le Seigneur te bénira. N'oublie pas de te connecté, de t'abonner à notre page YouTube Rêve pour les ans, notre page YouTube Rêve pour les ans, pour écouter tous nos messages et le Seigneur te bénira davantage. Église de Jésus, peuple de Dieu, tous ceux qui veulent mon numéro WhatsApp, écrivez-moi inbox, faites-moi des demandes sur ma page personnelle pour les ans, P-O-L-Z-A-N-G, et je vais accepter. Vous m'écrivez pour me préciser que vous êtes membre de notre communauté par rapport à ces directs. Le Seigneur bénira. Alors demain, rendez-vous à 21h30, heure de Yaoundé, heure de Nkwabang.
heure de Nkolmese, heure de Tambafia et 22h30, heure de Paris. Demain, le Seigneur fera de grandes choses dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Préparons-nous, prions. N'oublions pas le rendez-vous de 3h30, de 3h00, le rendez-vous de délivrance, de prière, le rendez-vous de combat où le Seigneur a changé le nom de Jacob en Israël, où le Seigneur a marché sur les eaux lorsqu'il était la quatrième veille. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Merci pour tout, avec tous les hommes de Dieu. Merci à tous les hommes de Dieu qui étaient là ce soir, qui sont dans cette église. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont de l'autre côté, que Dieu vous bénisse. Les serviteurs qui travaillent, les pianistes, batteurs, bassistes, les techniciens à la console, aux caméras, à la salle technique. Que Dieu vous bénisse. Que sa gloire se manifeste dans vos vies. Vous avez des problèmes, vous avez des situations. Nous sommes là toute la semaine pour vous recevoir. C'est une nouveauté pour cette semaine. Les pasteurs seront disponibles à l'église pour vous recevoir à partir de demain lorsqu'il sera 15h jusqu'à samedi 15h. Et le dimanche, les pasteurs de chaque église décideront de ce qu'ils feront pour les différents cultes. Que Dieu nous accorde sa grâce ce jour, qu'il vous accorde sa bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Je viens nous rappeler que désormais, sur notre page Chapelle de la Grâce, sur Facebook, nous aurons nos cultes tous les 20h30, heure de Douala, heure de Yaoundé, en live Facebook, sur notre page Chapelle de la Grâce. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Il y a des témoignages, des délivrances, des gens nous appellent depuis l'Italie, la France, les États-Unis, le Canada, la Belgique, pour nous donner les témoignages de leur délivrance pendant que nous prions en live. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous tous les jours sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.